Après 4 belles saisons de bons et loyaux services à la tête de l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde s'en va avec un joli total de 206 matchs, dont 102 victoires, 45 nuls et 66 défaites. L'ancien joueur et entraîneur du club basque prend la direction du FC Barcelone et prendra la suite de Luis Enrique. Il aura donc la lourde tâche de relancer un Barça bien en peine la saison dernière. De son côté, le club basque a opéré un long casting pour trouver le remplaçant idéal de Ernesto Valverde. Et un nom est ressorti, celui d'un inconnu dans le monde du football, Lucas Itube. Un Français de 21 ans, natif de Dijon, sans aucune expérience professionnelle en tant qu'entraîneur d'une équipe première. Un choix très osé de la part de l'Athletic Bilbao, mais le profil du jeune Français et sa passion envers le football ont confirmé le choix du président Urieta pour ce poste plus qu'important. Quant au manque d'expérience, le président Urieta a su trouver les mots justes pour calmer les journalistes et les fans, en indiquant que un peu de jeunesse parmi ses vieux entraîneurs ne ferait pas de mal. Un pari osé certes, mais regardé du côté de Hoffenheim en Bundesliga, l'entraîneur a 29 ans et le club n'a jamais été aussi bon de son histoire. Le club mise donc sur l'avenir, un peu comme il a toujours su faire. L'Athletic Bilbao, avec un palmarès fourni, une histoire conséquente et surtout une politique de recrutement bien à eux, sera un immense défi pour le jeune Lucas Etube, qui aura pour mission de redorer le blason du club basque en conservant les valeurs du club. Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Twitter, bon vous m'avez pas trop aidé, si je repartais avec Cholet ou pas, vu que c'était pour la bêta et tout. Vous m'avez plutôt dit non. Voilà, j'étais plutôt stable là. Je pensais rater des choses en prenant la bêta, notamment des transferts, etc. Donc j'ai préféré partir sur une autre équipe. Vous m'avez pas trop aidé sur Twitter là, par contre, pour ce coup-ci. Mais quelqu'un m'a proposé Nice, Sochaux et Bilbao. Et je me suis dit, on va partir à l'étranger pour une fois. On va partir à l'étranger, on retourne en Espagne. Et en Espagne, on va prendre Bilbao, ce que c'est un club très sympa. Pourquoi? Parce qu'ils ont une politique de recrutement qui est considérée, enfin qui est consacrée, on recrute que des joueurs d'origine basque. Comme vous allez pouvoir le voir, on va dans observer et dans joueurs, on tombe sur Stéphane Ruffier, qui est né à Bayonne, donc qui est un joueur d'origine basque. Je sais pas où on peut voir ça, si, voilà, autre nationalité, basque. Voilà. Et il y a que des joueurs d'origine basque, donc, qui pourront être recrutés. Alors Villanueva, je savais pas qu'il était basque. Mais a priori si, il est espagnol basque. Ok. Donc on a que des joueurs d'origine basque que l'on pourra recruter. Donc ce qui rend un peu la carrière compliquée mais intéressante. Parce qu'il faut savoir garder ses joueurs. Chercher des bons joueurs basques d'origine basque. Donc ça va être limite un live ban. Et moi je trouve que ça peut être une carrière vraiment intéressante. On a un beau budget. Bilbao est un beau club d'Espagne. Bon, cette année qui est en train de faire une saison très mauvaise. Mais voilà, on a un budget autour des 15 millions d'euros. C'est pas mal. Donc, j'ai quasi pas commencé, je vais vous montrer le début. Ce qu'il faut savoir à Bilbao, c'est qu'il y a 8 premières divisions d'Espagne, 23 coupes d'Espagne, c'est énorme, et une super coupe d'Espagne. Les ennemis jurés sont la Real Sociedad, la Real San Sebastián, et l'Atlético Pamplona, qui sont Osasuna. Des structures de formation qui sont vraiment très bonnes, des super structures de formation, le Santa Maria del Lezama, un centre d'entraînement qui est encore mieux, donc voilà. Et recrutement des jeunes très étendu. Donc pour le moment on est plutôt pas mal. Bon, je trouve que notre président en fait un petit peu trop. Le club de l'Athletic Bilbao a sans aucun doute le plus beau palmarès d'Espagne. Excuse-moi garçon, mais je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose si ça te dérange pas. Où est-ce qu'on peut voir le palmarès? Oh bah. Pardon. je sais pas. Putain, j'arrive jamais à trouver ces palmarès, ça doit être là. Compétition générale, non. Infrastructure, non. Non, bon. Je sais pas, mais voilà. Les plus beaux palmarès d'Espagne, ils se situent à Barcelone et à Madrid. Ouais, sans aucun doute. Donc voilà. Donc, on va aller regarder un peu l'effectif. J'ai pas regardé l'effectif, je me suis dit, je vais faire ça en vidéo avec mes abonnés. Donc voilà, on a deux gardiens. Yago Herrerin, un gardien pas super fort, mais qui va être plutôt le remplaçant de Kepa Arrizabalaga. Voilà, un nom bien basque pour le coup. Un bon gardien, vraiment très jeune, 22 ans, cette section U21. Pour moi, ça va être le goal titulaire. Clairement, ça va être le goal titulaire. Et on a Alex Remiro qui est en prêt. A priori, il est pas ouf. Il est pas ouf. Après, dans les défenseurs centraux, bon, on a Aymeric Laporte, le français très très connu, que lui, on va essayer de le garder, qui est le basque. Il est basque, il est né, on sait pas où, mais il est basque, en tout cas il est né en France basque. Xabi Etxeta. Ah, Xabi Etxeta, un joueur qui commence à se faire vieux, mais qui a été formé, bon pas à Bilbao, mais presque à Bilbao, on peut dire ça, il a fait une saison à Morebieta, et c'est Bilbao qui est allé le chercher après, qui l'a prêté, donc c'est un ancien de la maison, il a eu une sélection en Espagne, il a l'expérience, après le niveau, je suis pas sûr que ce soit
forcément présent, mais il va nous servir. On a Yeray. Yeray. Alors, les gars, la prononciation, je fais pas espagnol LV1, je fais allemand. Donc, la prononciation, vous m'en voudrez pas. Donc, lui, il est formé au club. Si jamais vous voulez me dire les prononciations des joueurs, en commentaire, les gars. Donc, lui, c'est un bon joueur qui a un très bon potentiel. Voilà, il a que 22 ans. Clairement, je sais que Aymeric Laporte va être titulaire. Après, je sais pas qui peut être notre titulaire derrière lui. Unai Núñez, que lui, je risque sûrement de le prêter, à mon avis. Mais il faudrait trouver un quatrième défenseur central. Donc, on a regardé nos quatre défenseurs centraux. Ok. On a Markel Echeverria qui est en prêt. À Numancia, un joueur qui n'est pas nécessaire à l'équipe, comme nous l'indique notre recruteur, qui n'a pas l'air vraiment solide. Ben, voilà. On a beaucoup de joueurs observés. Beaucoup, beaucoup. Dont Miquel San José, formé au club. Il est passé à Liverpool pour 400 000 euros. Il a été prêté et ramené pour 3 millions d'euros. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont tenté. Mais en tout cas, on a notre Miquel San José qui est observé par le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il restera au club. Ça, c'est une chose qui est sûre. Qui est un joueur important, en tout cas très très important. Il a des très bonnes statistiques et ça va être vraiment un de nos joueurs principaux. On a Oscar De Marcos, alors lui c'est notre latéral droit. Il peut jouer 10 latéral droit, enfin ce joueur il peut jouer partout à mon avis. Il est observé en Angleterre, non même pas, l'AS Monaco. Donc lui voilà, c'est un très très bon joueur qu'on avait été chercher à Alaves. Voilà, encore un basque, parce que de toute façon il y aura que des basques dans cet effectif. Eneko Boveda, un joueur pas ouf, qui est observé par le Real Palis et sinon par des prêts. Donc pourquoi pas tenter de le vendre. Après, il faudrait trouver un latéral droit remplaçant. À gauche, on a Mikel Balenciaga, qui commence à se faire un petit peu vieux, mais qui reste quand même un bon joueur. Un bon joueur qui a été récupéré chez l'ennemi, chez la Real San Sebastian. Voilà, Balenciaga, c'est pas ouf. On a à gauche, on a aussi Henrik Saborit. Alors lui, il est jeune, il est pas forcément bon. Enfin, il a que 25 ans, mais il n'est pas forcément bon. Pourquoi pas tenter de le vendre. Et Inigo Lekuie, qui est pas mauvais à droite. Donc pourquoi pas vendre Eneko Boveda et garder lui en remplaçant, parce qu'il est vraiment pas mauvais comme joueur. Inigo Lekuie. Il a un bon petit niveau, servi par Villarreal, d'accord. Milieu centre, Mikel Rico. Il commence à se faire vieux, donc c'est pour ça qu'il est sur la liste de sur la vente. À mon avis, le club veut essayer de tirer un peu d'argent. Formé au club, après il est un peu parti partout. Un joueur qui est bon, encore pour moi, à mon goût. Donc à mon avis, si on n'a pas une grosse offre, il restera. Ander Iturraspe, un très 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 bon milieu de terrain. Formé au club, qui est là depuis le début. Pour moi, je vais plutôt le faire jouer en carriero, voilà, en milieu centre. Mikel Vesga, voilà. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de milieu def. Mais on va faire jouer en milieu centre. Alors lui, il n'est pas très 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 bon. Il a une bonne détermination, ce qui peut le faire jouer de bonne manière. Après, on verra bien. On verra bien de ce qu'il donnera, le petit Mikel Vesga. Markel Souzaeta, très très bon joueur. Il va être notre ailier droit titulaire. Ça, c'est une chose qui est quasiment sûre. Une sélection à but en équipe d'Espagne, encore une grosse grosse valeur à 29 ans. Voilà, le joueur formé au club lui aussi, on a beaucoup de joueurs formés au club de toute façon. La plupart des joueurs seront formés au club vu que c'est des Basques. Raúl García en 10, qui a 30 ans, qui a encore un très bon niveau, joueur clé. Clairement, il a des stats très 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 bonnes, voilà. Lui c'est vraiment un joueur qu'on était cherché chez un autre ennemi juré, Osasuna, enfin qui a été formé là-bas. Et après avoir passé à l'Atlético Madrid, il nous rejoint l'Atlético Bilbao. Voilà, c'est vraiment un bon joueur Raúl García, donc il va vraiment nous être utile. On a aussi Beñat au milieu de terrain. Alors Beñat, je pense qu'il est limite meilleur que certains autres milieux de terrain. On verra bien que peut-être que Ander Iturraspe, à mon avis. Pour moi, Beñat est meilleur que Ander Iturraspe. Il est juste un peu plus vieux. Et il est formé au club, donc pourquoi pas. Iker Mounian, un joueur que j'aime beaucoup. Un joueur que j'aime beaucoup à gauche, Iker Mounian, un très très bon ailier. Il a que 24 ans, donc il a encore une très bonne marge de progression. Formé au club, il est déjà au moins 260 matchs, donc c'est vraiment pas mal. Adjer Ekstete, bon, lui, je vais pas me poser trop de questions. On va le mettre sur la liste des transferts et des prêts. En même temps, si quelqu'un le veut en prêt, je vais le lâcher. On va pas, plutôt faire un prêt payant. Un petit prêt payant histoire de rapporter un peu de sous-sous. Hop, voilà. Après,
On a encore 4 joueurs à présenter. Il y en a un et deux. Enfin, il y en a deux, c'est sûr qu'ils seront titulaires. Enfin, ou ils joueront. Sabine Merino, qui lui va être vendu, a priori. Parce que c'est pas un joueur dont je vais me servir. J'ai mieux Kike Sola, qui est sur la liste des ventes. Et là, c'est totalement normal. C'est un joueur dont je vais pas me servir. Je vais d'abord présenter Arita Doritz. Il est très connu. Très 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 connu, très très bon joueur, 571 matchs de sa carrière, 210 buts, sur le déclin évidemment, il vaut 1,5 million, voilà c'est très bon, mais regardez les stats, c'est très peu, mais regardez les stats encore incroyables qu'il a, c'est un très très bon avant-centre, ainsi qu'accompagné de Iñaki Williams, qui va être sûrement titulaire à droite, il tournera avec Markel Souzaeta. Un joueur incroyable, vraiment un joueur incroyable, il doit être observé par Chelsea à mon avis. Même pas, Monaco, Bayern, Man City, PSG, donc c'est pas mal non plus. Donc pour la compo, j'étais parti sur une compo à moi, mais en fait on va changer ça. On va changer ça complètement. On va faire... organiser tactique, tac tac tac. Est-ce que j'ai pas un 4-3-3 qui traîne? 2-3-2-3, non, attaquant gros, strikerless, 4-1-2-3, DM wide. Il me semble que ça c'est mon 4-3-3, non ça c'est un truc sans attaquant. Et ben, on va se la construire notre tactique, on va se la construire. Voilà, c'est tout con. Hein. J'hésite à avoir des latéraux hyper offensifs, et d'avoir un bloc bien bas. Un peu dans l'esprit. À un avis ça risque d'être trop bas, surtout... que j'avais peut-être voulu à un moment jouer avec un 10, avec Raúl García en 10. Mon avis, pour moi, ça fait trop déséquilibré. Peut-être jouer comme ça. Hop. Avec un défenseur qui va un peu plus monter. Allez les gars, je vous dis, j'improvise totalement dans la tactique. Hein. Défenseur central, défense. Et hop. Si mon chien pouvait se taire, ça m'arrangerait aussi, parce qu'il fait beaucoup de bruit, si vous l'aurez remarqué. On va faire des latéraux très très offensifs, et à mon avis, on va jouer comme ça, les gars, en déséquilibré, dans les buts. Voilà, donc Kepa Arrizabalaga. Voilà, très bon gardien. À droite, Oscar De Marcos. Voilà, qui est plus un arrière latéral attaque. Bon, on va le faire jouer dans son poste de prédilection. À gauche, ça Saborit du coup, pas. J'avais regardé qui, putain, je me souviens pas à gauche. Tac. Balenciaga, Saborit. Ok. Et ben, on va mettre Mikel Balenciaga. Je pense qu'il va falloir bientôt rapidement trouver un latéral. À mon avis, ça serait peut-être requis de trouver un latéral rapidement. Défenseur central, bon bah, Aymeric Laporte, évidemment. Accompagné de... il y avait Yeray qui me plaisait bien et Younai Núñez qui me plaisait pas trop. Il y avait... Oh putain, il me saoule lui. Alors, on va faire comme ça. Mikel San José qui peut jouer en 4, mais ça me tente pas trop. Il y a Xabi Cheta. Le fait de mettre Mikel San José en 4, moi ça m'emmerde. Clairement. Mais ça peut être aussi une bonne alternative de le mettre là, Mikel San José. Qui est un défenseur relanceur qui serait quasiment parfait dans le rôle. Alors on a deux défenseurs qui joueraient balle au pied. Ça peut permettre de poser un peu le jeu derrière. Et d'avoir une équipe un peu plus offensive. C'est comme ça. Mikel San José. Ouais, de base, il est plus défenseur. Hein. Je pensais pas. Hein. Mais si. Comme ça, là, on peut avoir des milieux de terrain un peu plus élevés. Et un milieu offensif. Qui est Raúl García. Ah, on met du meneur de jeu. Oh, 9,5, j'aime beaucoup. Alors, quand un joueur peut jouer 9,5, moi ça m'arrange. Avec mon attaquant pivot, je vais les faire jouer comme ça. En décalé. Un attaquant pivot soutien. Qui est donc Arita Doritz. C'est pas un attaquant pivot soutien. C'est un attaquant avancé. Alors, ça c'est excellent. Encore mieux. Et bon, je vais les mettre sur la même ligne en fin de compte. Donc après. Ah, je vous dis les gars, la construction de l'équipe c'est le plus long, mais faut faire comme ça. Je vous le montre, si jamais je mettrai peut-être une petite musique, un petit accéléré, donc à droite, oui, à gauche. Iker Mounian, il est là, et il nous reste deux milieux de terrain à choisir, donc pour moi c'est rapide. Beñat. Et il y a Mikel Rico qui est là, mais non, ça va être Iturraspe pour moi. Iturraspe était là. Et voilà, donc pour moi, on va partir en meneur de jeu avancé. Soutien, et l'autre, c'est un Carriero.
Voilà, pour moi, l'équipe commence à être à une belle gueule. Attaque intérieure. Oh, c'est intéressant. L'équipe, pour moi, est comme à une belle gueule, à mon avis. Enfin, franchement, ça fait une belle équipe. Il n'y a pas à dire. On a des très très bons joueurs. Peut-être revoir un latéral. Et peut-être aller chercher Stéphane Ruffier. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher Stéphane Ruffier? Hop, ma souris qui me fait un petit bug. C'est pas grave, on a réglé ça. Alors, consigne d'équipe. Exploiter le flanc droit, exploiter le flanc gauche. Centrer dès que possible. Voilà, centrer en force. Caractère, on va faire un jeu assez court. On va essayer de construire correctement avec un pressing, avec un jeu large. Un rythme beaucoup moins élevé, on va prendre notre temps. Une ligne défensive assez haute. Pour moi, ça me va. Pour moi, ça me va plutôt. On va peut-être enlever le décroché de vos postes. Non, pour moi les joueurs sont assez... Non, on va faire décrocher de votre poste, on va le laisser, on va l'enlever. Et on va faire prendre la défense de vitesse, parce qu'on a des ailiers qui en sont capables de très très bien dribbler. Et puis voilà, pour moi ça me paraît être une bonne tactique. Vraiment, ça me paraît être pas mal. Dans le but remplaçant, Yago Herrerin, il me fait pas... Je suis pas serein à l'idée qu'il soit là, donc pourquoi pas le mettre en vente à au moins à 800 000 euros, un truc dans le style, 50% de son prix. Et on ira chercher Steph Ruffier. Alors toi, je te veux pas de toi. Ok, toi on va observer, toi aussi, toi aussi. Oh, Sergio Gomez. Tac. Voilà, va falloir vraiment aller chercher des jeunes tout de suite, des jeunes. Ouais, je pense qu'on va prendre Ruffier pour finir les petites dernières années qu'il y a à lui proposer. On va demander les infos à Saint-Etienne et on va déclarer notre intérêt pour savoir si Ruffier est intéressé. Voilà, là on va commencer à titiller Saint-E. Voilà, on va avancer un petit peu, on avance un petit peu, on a fait l'équipe. Je vais aller voir les U19, l'équipe B et l'équipe C après. Mais voilà, alors là, la Coupe Euro. Oh, faut qu'on atteigne la demi, c'est beaucoup hein. Division d'Espagne, oh, alors je vais laisser tout ça. Je vais laisser pareil, tel quel. Parce que c'est notre première saison. Voilà, je laisse tel quel. Oscar Garcia Pelocas. YouTube vérifié, oui. Alors regardez, répondre à l'offre de Bremen pour Akjer Texté. Alors je l'ai mis en prêt avec une indemnité. Donc on va prendre 600 000 euros je crois sur le prêt. C'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est un joueur que j'ai pas envie de faire jouer. Parce qu'il a pas le niveau. Et du coup, là, il part en prêt. Sabine Merino. Alors, lui, il me semble que t'étais inutile aussi, toi. Oui, il était inutile. Lui, il était inutile. Lui, il était inutile. Une offre de 2 millions, je trouve ça même intéressant. Je trouve ça intéressant si mon... Hop, je remets ma souris en place, les gars. C'est normal si la caméra a bougé. C'est parce que je mets un petit truc pour que ma souris ne bug plus. Alors, on va mettre une petite offre à 2 millions. Oh, là, l'offre a été retirée. Bah, voilà, ça commence bien. Parce qu'en fait ce qui me dérangeait c'est qu'il mettait un truc au club vendeur. Et ça nous coûte de l'argent en plus, donc ça m'énerve un petit peu. Offre du SASK à Moscou pour Yago Herrerin. Voilà, regardez, truc du club vendeur. Mais bon, lui je vais l'accepter l'offre. On essaie de déménager un peu tout. Alors, les leaders d'équipe, on n'avait pas été voir ça. Arita Doric, Souzaeta, Mikel Sanrosé, ok. Donc c'est vraiment les trois leaders d'équipe. Markel Souzaeta n'est pas titulaire vu qu'il y a Iñaki Williams, mais il jouera donc faudra pas qu'il s'inquiète. Tac. Voilà, j'ai dit qu'on pouvait se qualifier pour la Coupe Euro, les joueurs sont contents. Donc pour l'Europa League, offre de Rijon, et il baisse le prix, bande de malades vous. Vous êtes malades les gars. Voilà, acceptable, bon, on va le laisser partir pour ce prix là. Si ça peut nous permettre de ramener Ruffier, notamment, je dis pas non. Alors les potentiels, on n'a pas des U19 de ouf, ils sont vraiment mauvais même j'ai envie de dire. Après, on va ajouter une petite colonne niveau. Observer niveau. Observer. On va ajouter deux colonnes. Les colonnes niveau et potentiel. Taille automatique de toutes les colonnes. Et là, vous voyez, c'est magie, ça apparaît. Donc, on n'a pas vraiment des joueurs très 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 bons. On n'a pas vraiment des joueurs qui sortent du lot. Même quasi pas du tout. Je vais peut-être essayer de prêter John Morcillo. Mais c'est pas forcément ouf. À mon avis, ça... Ouais, c'est pas ouf. Et chez l'Athletic Bilbao, c'est, à mon avis, c'est encore pire. Ouais. Ouais. Donc, il y a des joueurs qui veulent être transférés. Bah, écoutez, faites-vous plaisir, les gars. Je vais léguer, à mon avis, ces deux équipes-là à mes dirigeants. Équipe Bilbao, c'est...
Entraîneur, voilà, utilise la tactique d'équipe première, l'entraîneur de l'équipe organise les matchs amicaux. Voilà. Gestion des matchs amicaux. Non, je vais faire jamais, voilà. Achat des joueurs pour l'équipe B. Vente des joueurs pour l'équipe B, je m'en occupe pas. À mon avis, c'est pas une bonne idée de m'en occuper parce que j'en ai un peu rien à taper. Tac, pareil pour l'équipe C, tant qu'il me bouffe pas tout mon budget, ça me va, les U19. Ok, donc, maintenant là. Les conférences de presse, c'est pas moi qui gère. Je vais faire un truc que j'aime bien faire. C'est les transferts. Cherche et fait des offres pour les équipes de équipe première. Et je vais donner ça à mon DS, à mon directeur sportif. Voilà. Paf, il s'en occupe. J'aime bien. Maintenant, on va aller regarder notre staff. Alors, ça donne quoi? Ouh, le mauvais staff. Je suis bien payé quand même. À 125 000 euros, j'ai rien prouvé. Alors, notre adjoint. Il est pas mauvais. On risque d'avoir un très bon staff, hein, faut pas se le cacher. On a un préparateur qui n'est pas mauvais, même s'il n'est pas ouf. Préparateur physique de l'autre côté. Ouais. On va peut-être revoir ça un petit peu. Imanol Echeverria. Alors toi, je suis désolé si t'es une légende du club ou pas. Tu vas sauter, garçon. Tu vas sauter. Résilier à la malle. Et le dernier, c'est Juan Marlo. Oh là 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 là. Il y a des mauvais, hein. Luis Fernando Moraes. Déjà, lui, je vais le chercher. Oh, pourquoi c'est écrit tout petit? Excellent. Moraes. Est-ce qu'il y est déjà? Luis Fernando. J'ai pas pensé, le staff, est-ce qu'ils doivent tous être basques aussi ou pas? A priori non, parce que moi je suis pas basque d'origine. Ah là les gars, vous pouvez voir, je suis né à Dijon. Donc à mon avis, le staff, il n'y a pas besoin que ce soit que des basques. Je vais aller chercher un petit staff. Et à mon avis, on se retrouve après que j'ai fait le staff. Donc c'est bon pour moi, j'ai fait la petite recherche de staff. Vous allez les voir, ils vont signer au fur et à mesure. Donc je vais aller faire un petit entraînement vu qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce FM18, c'est la cohésion d'équipe. Je vais aller entraîner en cohésion d'équipe. J'ai oublié de regarder le calendrier des matchs amicaux, on va aller faire ça vite fait. On en a 6 entrecoupés par 2, troisième tour qualificatif de la Coupe Euro. Ok. Ok d'accord, on commencera la saison à Séville. Gros match. L'Atlético qui arrivera vite. Ok bon, allez, on va continuer, on va avancer un peu. À mon avis, alors lui, il est très très courtisé, Wim Jong, donc il va falloir vraiment se méfier. Unai Núñez, qu'on va prêter normalement à Gijón. Hop. Perrin espère que Ruffier restera. Ok, Bilbao, machin. Ok, Michael Rico qui dépasse ses diplômes, donc la retraite approche pour Michael Rico parce qu'il passe ses diplômes pour devenir entraîneur, préparateur, enfin un peu tout. Vous voyez bien. Alors, hop, on change des joueurs. L'équipe d'Oviedo, ok, Nevi. Unai Núñez, qu'on l'on peut prêter encore une fois. Il me semble que j'ai déjà accepté deux offres pour lui. Ouais, j'ai déjà accepté l'offre de Rijon, donc s'il pouvait signer à Rijon, ça m'arrangerait en prêt. Alors, Eneko Boveda, alors qui était sur la liste des transferts. À combien? Est-ce que 1 million comme ça? Allez, à 800 000 comme ça, tu me le lâches. Tu me le prends. Et bim, ça tombe tout seul. On va essayer de gratter un petit peu plus au dernier moment en te proposant aux autres clubs qui le veulent un petit peu plus. Tac. Ma souris qui me fait des petits bugs, va peut-être falloir que j'en rajoute une petite souris qui me fait des faux bonds depuis tout à l'heure. Enfin, pas depuis tout à l'heure, depuis un bon bout de temps. Alors la SSE rejette l'œuf pour Ruffier. Ha! 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 C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. J'ai un beau budget. On a repoussé le budget salarial au maximum. Ok. 6 versements biannuels.
Et on va monter quand même un peu ça, parce que ça reste Stéphane Ruffier. Elle n'est pas acceptable l'offre, donc ils veulent pas répondre tout de suite. Ok. Une offre de 10 millions, on commence avec une offre de 10 millions. Parce que Ruffier, c'est vraiment un joueur qui m'intéresse. Ça peut devenir, ça peut être un goal qui peut encore nous faire 3-4 ans. Largement, à mon avis. Maintenant, le plus dur, c'est de trouver des joueurs. Le plus dur, ça va être de trouver des joueurs. Et faut vraiment être... Il n'y a que des basques, on peut chercher des basques. Ce que j'ai essayé, si vous voulez, je vous montre. On va prendre un joueur au pif. Allez, on va vraiment faire au pif, hein. Oh, Nicolas Pépé. Putain, c'est pif, ça. Regardez, on va faire une offre. Déjà, tu peux pas demander information, tu peux pas faire déclarer un intérêt, demander information et tout. Tu fais faire une offre, et là, annulation de l'offre concernant Pépé. L'équipe de l'Athletic Bilbao ne peut engager que des joueurs basques. C'est quand même une règle qui est étrange, mais qui peut être sympa. Hop, et bim, le budget salarial qui augmente, c'est cool ça, l'augmentation du budget transfert. Allez, on tente le coup, on tente le coup, on tente le coup, et ça marche pas. Et l'augmentation des pourcentages de revenus transfert. Allez, ça augmente. Le chien, si tu pouvais taire, ça m'arrangerait, je te l'ai déjà dit. Merci. Ok, 90%, donc si on vend des joueurs, on recevra une belle part à mon avis. Eneko Boveda, on a accepté l'offre de Monaco. On va accepter l'offre de Monaco. Nous avons l'impression de bénéficier, le président et moi on s'entend bien. Mboula. Je voudrais regarder Jordi Mboula. Est-ce que t'as des origines basques, garçon? Dis-moi oui. Congolais. Ouais, c'est pas très basque. C'est pas très très basque. Ouais, le Congo et le Pays Basque, ouais, il y a une petite différence, quoi. On va dire ça. Donc pour chercher les joueurs, les gars, je vous assure que ça va pas être une mince affaire. Ça va pas être drôle. Swansea qui est intéressé par Roberto Torres, Dani Garcia. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire le mercato tout seul, que je fasse mon mercato posé tout seul dans mon coin. Et je vous reprends si je trouve des bons joueurs. À mon avis, c'est ce qu'il va falloir faire, parce que à mon avis, pour trouver des joueurs, ça va pas être une mince affaire, des joueurs qui ont le niveau. Je pense que sur cette première saison, il n'y aura pas trop de recrutement. Je pense qu'on peut avancer. L'équipe est bien. L'équipe est bien. On a des joueurs doublés à chaque poste. Le recrutement va se faire compliqué. Alors je me demande comment Iñaki Williams, parce que c'est pas vraiment ni son prénom, ni ses origines ont l'air d'être très basques non plus. Alors lui, ça me paraît un peu étrange. Mais pourtant, il est bien basque ghanéen, espagnol ghanéen. Donc ok, pas de soucis. Pas de soucis, je voudrais regarder certains joueurs. Pourquoi pas les prendre en fin de route? Ça va coûter très très cher, surtout au niveau du salaire. Exemple, Cesc Fabregas. Et voilà, Aranis de Mer, Espagne, pays choisi. C'est quoi? De naissance, Aranis de Mar. Ok, d'accord. Je sais pas que c'est. Et à mon avis, c'est compliqué de trouver des joueurs basques. Je vais chercher, voilà, par exemple, Aspi. Aspi, on peut. Mais Aspi, c'est cher. C'est con qu'on puisse pas cliquer sur basque. On aurait pu cliquer sur basque, ça aurait été très rapide. Sélection basque, comme pour la sélection bretonne. Et on cherche. Alors à mon avis, pour trouver des joueurs basques, ça va être un petit calvaire. Je vais m'atteler à la tâche, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et à mon avis, je vous reprendrai après. Je pense que si vous me revoyez... Alors lui, il est basque et il joue à Monaco et il peut être intéressant comme goal. À mon avis, je vais faire... Donc putain, faut que j'arrête de dire à mon avis. Donc voilà. Je vais faire mes recherches tout seul dans mon coin. Je vais chercher des joueurs basques à un bon niveau. Je serai sûrement pas habillé pareil, le décor. Enfin, je vais essayer de reprendre la vidéo. La vidéo sera sûrement faite en deux parties. Parce que je m'attendais pas à pas une telle... Que ce soit aussi compliqué, j'ai envie de dire. Mais le fait de devoir chercher que des joueurs basques, ça complique un peu le travail. Enfin, pas le travail, enfin, voilà, vous me comprenez, ça complique un peu le truc. Et si je devais vous montrer joueur un par un que je fais, tous les joueurs espagnols, enfin, parce que je vais faire ça, hein, quasiment. Je vais chercher vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs, je vais observer beaucoup de joueurs. Donc, je vais aller chercher des joueurs espagnols, ou basques, enfin, basques, en général, ils sont espagnols. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai fait toutes mes recherches. Et donc, la vidéo, je vais sûrement la faire en 2-3 parties. Si vous ne me voyez pas habillé de la même manière, c'est normal. J'aurai peut-être un maillot de la Sociedad. Non, je déconne, je ne le mettrai pas, mon maillot de la Sociedad. C'est promis. Je vais énerver les supporters de Bilbao.
Mais voilà, par exemple, oh, Carlos Soler, j'aime bien le joueur, mais le problème c'est qu'il coûte cher et à mon avis il est pas basque. Il est pas basque, il est à Valence. Donc, je vais faire mes recherches, les gars, j'espère donc que ça vous dérange pas, que je vous montre pas toutes les recherches, parce que sinon ça va faire des vidéos qui vont durer 3 heures, ça va pas être forcément intéressant pour vous, ça va pas être forcément intéressant pour moi, si vous voulez, quand je vais pouvoir... C'est-à-dire, rarement, mais si je peux faire un live, par exemple, pendant les vacances qui arrivent, ou si jamais j'ai un moment, je vais essayer de liver, les gars, je vous promets. C'est vraiment un truc que les lives que j'ai envie de reprendre. À la fin de l'année, je vous promets, les gars, c'est vraiment quelque chose que je vous le dis là, que à la fin de l'année, j'aurai passé le bac. Après le bac, je serai tranquille, il y aura la Coupe du Monde. Avec la Coupe du Monde, je vais avoir un petit peu de détente, peut-être falloir que je trouve un petit taf d'été, et voilà. Je vais essayer de vous faire une série, on va prendre la GIA, les gars, la GIA, vous... Je sais que vous adorez la GIA. Et on va partir en live avec la GIA pendant des journées entières. C'est un truc que j'ai pour objectif de faire. Je me lève à 9h le matin, hop, jusqu'à 16h, on live non-stop. C'est un truc que j'ai envie de faire cet été. Si je peux le faire, je le ferai. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vais faire mes recherches. Et on se retrouve après. On se retrouve pour la suite. Donc, j'ai fait le mercato. J'ai recruté mon staff. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors... Pour le staff, j'ai pris un très bon staff, comme vous pouvez le voir. Il me semble que lui, il y était déjà. Après, lui, il y était déjà. Lui, il vient d'arriver. Alors, ça commence par David Garcia, voilà, un petit préparateur que j'ai pris. Qui a des très bonnes stats mentales, en plus des stats correctes pour l'entraînement, donc je l'ai pris. Ensuite, le staff, on continue avec Fabien Lelièvre, qui était à Strasbourg en tant qu'adjoint. Maintenant, il arrive au staff à Bilbao avec des très très bonnes notes mentales. Plus travaille bien avec les jeunes, donc ça peut aider pour nos jeunes joueurs. Il a une bonne base de données, enfin de connaissances aussi, Côte d'Ivoire, Sénégal, Belgique, Portugal et bien sûr la France. Et ce qui peut nous aider vu qu'on en est en Espagne avec la base de données française, parce que les autres j'en ai un peu rien à foutre, il me faut que des joueurs basques. C'est un peu le souci. Après Franco Baldini, j'ai pris un Italien qui a des très très bonnes stats, c'est pour ça que je l'ai pris clairement. Je fais pas vraiment gaffe à la base de données non plus parce que vu qu'on est limité à des joueurs basques, et bah voilà. Après, j'ai pris Phil Neville, l'ancien de Manchester United, un très très bon joueur. Qui était à Valence, donc en plus il parle espagnol, il était à Valence en tant que préparateur. Ou non, que coach. Ensuite, Iban Irkutza qui était déjà là. Iñaki García Sedin qui vient d'arriver au club, un entraîneur gardien avec des très bonnes notes, surtout gardien, des bonnes notes mentales, mais des très bonnes notes gardien surtout. Donc ça c'est cool. Et enfin, le dernier préparateur que j'ai pris, c'est Wim Jonk, un très 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 bon responsable formation jeune qui a des stats hyper complètes, qui a été un grand joueur parce qu'il a joué à l'Inter, à l'Ajax au PSV, donc a priori c'était un bon joueur. Je ne connais pas du tout, donc voilà. Ensuite, je vous présentais en fait vite fait le mercato parce que du coup j'ai quand même fait un petit mercato. Pendant ce temps-là, donc j'ai vendu pas mal de joueurs. Alors vous pouvez voir, j'ai mis en prêt Adjer Akexte, mais je l'ai rappelé parce que tout simplement en fait j'en avais besoin. Petite erreur de ma part, j'en avais besoin donc c'est pas grave. Alors on a vendu Sabine Merino pour 2,5 millions, voilà. Un joueur qui était pas ouf, qui avait déjà 25 ans, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le vendre. Enyeko Boveda a vendu 1,5 million à Monaco, le latéral gauche, inutile. Oscar Gilles qui traînait en équipe B, que j'ai décidé de vendre pour 1,2 million à la Vérone, à Vérona, donc on a fait une affaire. Yago Herrerin, on l'avait lâché à 600 000 à Moscou. Puis après, on a mis des petits joueurs en prêt, Unai Bilbao, et moi, Gareth Texte qui est revenu. Puis après, on a pu faire signer libre le jeune Victor Boya, un très très bon jeune, j'ai envie de vous le dire, c'est vraiment un très très bon jeune. Il a déjà fait un match amical, il est rentré, il a mis un but, en une dizaine de minutes à peu près. Il a déjà des bonnes stats pour son âge, il a 16 ans, il a une étoile, il a 5 étoiles de potentiel. Il traînait par là, il est basque, je l'ai pris. Ensuite, j'ai fait signer en provenance d'un des ennemis, l'Osasuna, l'Atlético Pamplona. Antonio Otegi, il n'a pas des stats incroyables, il a un 20 en détermination, ça m'a beaucoup plu. Il a une bonne technique, avec 14 en technique, 14 en passe pour un milieu de terrain, c'est pas mal. Il a une bonne marge de progression et puis il est observé par des clubs comme Manchester City et tout. Donc ça m'a fait un peu plus envie de le signer, donc je l'ai signé. C'est un peu pour le moment notre seul recrutement, voilà les finances elles sont toujours énormes. Et le mercato n'est pas fini malheureusement, on galère pour recruter. Parce que, voilà, je voudrais Oyarzabal, je le voudrais vraiment. Sauf que le problème, c'est que la Real San Sebastian, ils sont vraiment très très durs en négociation. Et
leur arracher leur joyau, parce que c'est quand même un très très bon joueur, c'est une pépite à la Real Sociedad. Ça va être impossible, ça va être vraiment très dur. On va tenter de mettre quelques trucs en plus. Et voilà, je fais une offre à 26 millions d'euros. Voilà, accusé de réception. Derrière, on avait Rafael Tescaro. J'ai failli recruter un petit du Real qui était pas mauvais. Alors, le Sergio Gomez, en fait, il est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'il coûte un petit peu cher, il me semble. Observez, je vais peut-être le recruter parce que c'est plutôt un risque que je veux pas prendre, c'est de rater un joueur. Le problème, c'est qu'il est basque. Il y a très peu de joueurs basques. Très très peu de joueurs basques. Et c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est de pas trouver de joueurs pour le futur. Parce qu'après, on va pouvoir compter sur beaucoup de régions, notamment. Parce que si on fait revenir des joueurs basques, il n'y en a pas beaucoup de très bon niveau. Normalement, il y a un joueur basque de très bon niveau que j'essaierai de faire revenir au club en fin de carrière. C'est Javi Martinez, qui était chez nous avant. Enfin, était au Osasuna avant. On l'avait récupéré, il a quasiment été formé chez nous parce que voilà, on l'avait récupéré dans l'équipe B d'Osasuna. Et on l'avait fait devenir un top joueur, il est parti au Bayern. Voilà, on avait fait une très bonne affaire. Enfin, le Bilbao avait fait une très très bonne affaire. Et voilà. Je vous présentais vite fait les matchs amicaux qu'on a fait. Avec notamment un Mikel Rico, il a 32 ans. Énorme. Énorme. Mikel Rico. Énorme. Ouais, voilà, Stéphane Ruffier. Voilà, aussi je fais des offres de malade. Ça refuse, ça refuse, ça refuse. C'est un peu le souci. Iñaki Williams qui s'était blessé d'ailleurs. Alors, on a fait 4 matchs amicaux. Merde. Pardon. Date. Voilà. Et j'ai repris la vidéo pour faire les matchs qualificatifs de Ligue Europa. Donc on a mis 3-1 Rijeka avec un but d'Aduriz, un but de Raúl Garcia, un but d'Emeric Laporte. 1-0 Slavia Prague avec un but de Mikel Rico qui était rentré. 4-0 à Cantazzaro avec un triplé de Mikel Rico et un but d'Aduriz. Et 3-0 au Real Irun. On a galéré en première mi-temps. À part le petit but de Raúl Garcia à la fin de la première mi-temps. Après un but de Quique Sola et de Victor Boya qui avait eu un petit peu de temps de jeu. Le très très jeune Victor Boya. Et qui a pu marquer. Donc on a tiré Ostend qui a été face à l'OM en vrai, en Ligue Europa. Nous on a eu de la chance, on les a tirés. Donc pour moi je considère ça plus comme de la chance. Parce que c'est pas une grosse équipe clairement Ostend. Et on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose. Pour moi on peut essayer d'aller chercher quelque chose. Je vais mettre Victor Boya sur le banc, Mikel Vesga. Je vais mettre Otegi, Ajax, Beñat. Alors, on va mettre Beñat titulaire à la place de Ander Iturraspe. Mikel Rico qui est en pleine forme, ça me plaît, on va le laisser. On va partir comme ça. Kepa Arrizabalaga dans les buts. D'ailleurs, Kepa Arrizabalaga qui est observé par. Comment ça s'appelle? Le Real Madrid. Donc, le Real Madrid voudrait acheter pour 25 millions d'euros cet hiver dans la vraie vie. Va falloir choisir un numéro, donc pour le petit Victor Boya, je lui mets ma date de naissance, le 30. Pour Otegi, je vais lui donner le 12. Voilà. Il y a des numéros qui sont grisés, parfois oui, parfois non, donc c'est un peu étrange. Voilà. C'est pas grave, c'est pas problématique non plus. À mon avis, il y a dû avoir pas mal de joueurs emblématiques. À Bilbao, c'est un grand club d'Espagne. Donc à mon avis, il y a quelques numéros qui ont dû être réservés par des joueurs emblématiques. Bon. On va essayer de motiver nos joueurs. C'est le premier match, les gars. Premier match. Avec Bilbao dans le petit stade à Ostend, c'est vraiment un petit stade, hein. Le stade on dirait un peu un stade à Angers, un truc dans le style, chez moi, dans le cœur Angers qui joue ce soir dans moins d'une heure face à Metz et je peux pas être au stade ce coup-ci. Hop, Iker Muñan, Balenciaga, le centre sur la tête d'Aritz Aduriz. Alors je suis en moment clé donc on va se remettre en mini-résumé. Tac, oh, Zikovic, Souzaeta, le centre de Souzaeta, Raúl Garcia. Oh, allez, allez, voilà, 1-0, but de Mikel Rico, vraiment très très en forme l'ancien. 32 ans, bon, je dis l'ancien, 32 ans, mais vraiment en très très grande forme Mikel Rico. Et qui marque là sur un petit cafouillage qui vient mettre son pied et ouvrir le score pour notre équipe de l'Athletic Bilbao dans ce tour préliminaire de Ligue Europa. Attention quand même. Mais à mon avis, je pense pas qu'on se fasse faire trop de problèmes. Franchement, je vous dis, cette carrière, elle me plaît. J'ai juste un peu peur du recrutement dans l'avenir. Parce que les joueurs base, il va falloir qu'ils en sortent. Hein. Il va falloir qu'ils en sortent des bons. Hein. Et il va falloir qu'on aille les arracher tous à Osasuna, à Real Sociedad. Il va falloir qu'on aille les arracher, les joueurs base. Parce que dès les jours où sortent les régènes, il faudra qu'on aille voir à Toulouse, à Bayonne, enfin dans des clubs comme ça. Où est-ce que. Enfin, il faudra qu'on cherche des basques.
qu'on cherche des Basques. Je sais pas si Antoine Griezmann a la nationalité basque. Je ne sais pas du tout parce que. But de Richard Jozićković, il joue là-bas. C'est une pépite lui, hein. C'est une pépite, Zivkovic. Ah, pareil. Je voudrais voir Grisou vite fait. Griezmann. Il est né à Mâcon. Je me demande s'il n'a pas la nationalité basque. Si, si, si. Et si, il a la nationalité basque. Bon, bah voilà, on a pris un but. Va falloir qu'on se concentre. Je dis à mes joueurs de se concentrer. Ça ne me va pas du tout. On avait bien commencé, c'est un procès. Bon, Griezmann est basque. Le temps qu'on revienne au niveau de l'Atlético de Madrid, il y a un bon bout de temps. Il y a pas mal d'argent aussi à se refaire. Donc, on va attendre. On va attendre. Pourquoi pas essayer de le choper sur sa fin de carrière à Griezmann. Il est encore jeune, donc on a le temps. Ouh là, c'était bien joué par Mikel San José, je crois. Mais ouais, il va falloir s'intéresser de façon à chercher des Basques, même des pas trop connus. Enfin, dans tous les cas, il va falloir compléter l'effectif, dans tous les cas, quitte à prendre des doublures un peu moyennes. Parfois, on n'aura pas le choix. C'est un peu ce que j'ai fait avec Kerextexté et le poteau. Enfin, la transversale, là, il est à 2 mètres du but, ça fait chier. J'ai pris, je crois, c'est, j'arrive pas à dire son nom, Ajerakexté, un truc dans le style. Je l'ai pris vraiment en doublure parce que de toute façon, j'avais pas de doublure sinon à gauche et mon latéral, mon ailier gauche aurait fatigué toute la saison. La Mounian, il aurait fatigué toute la saison tout seul. C'est pour ça que j'ai préféré aller chercher un. Aller rappeler un mec de prêt parce que j'avais vendu Sabine Merino, lui, il m'aurait été pas très très utile. Alors la défense, c'est un souci de défense. Il y a vraiment un souci de défense. À mon avis, il y a un petit peu trop de pressing et la ligne doit être un peu trop haute parce que les joueurs se font aspirer. Ils se font aspirer les joueurs. Donc je vais aller baisser un peu le pressing. On va mettre un peu plus de pressing. Hop. Parce que les joueurs se font aspirer. C'est un truc de malade. La défense, à chaque fois, ils se faisaient emmener. J'ai pas vu ça pendant les matchs de coupe. Bon, en même temps, je compte des équipes moins fortes qu'Ostend. Malgré qu'Ostend ce soit pas ouf non plus. Ils ont quand même des bons joueurs, Richard Jozićković notamment. Oh là là, la frappe! Et c'est Edgarier de Lille? Qu'est-ce qu'il fout là, Edgarier? T'as ma souris qui me refait les siennes. Ça commence à me casser les couilles. Pardon pour ces mots comme ça. Ça commence à me saouler, la souris qui bug. Voilà, Mikel Rico. Gano. Jali. Je me demande si. Alors, si Lille a prêté Edgarier, a déjà prêté Edgarier, c'est un peu surprenant. C'est un super joueur. Super pépite. Ils ont personne en défense. Enfin, ils ont Soumaoro, quoi. Et Amadou, c'est pas ouf. Je préfère mettre Edgarier, perso. Hein. Très très bon joueur de ballon, Edgarier. Zivkovic, le centre! Oh là là, putain. On est en difficulté, on est en difficulté. Ça va pas du tout, là, devant, ça combine pas, c'est. Les joueurs ils se trouvent pas sur le terrain. Les joueurs ils se trouvent pas. Bon, ils ont gueulé un petit coup, on leur dit que le match il nous convient pas du tout. Alors j'ai essayé de décaler un peu Raúl Garcia à gauche, par contre j'ai peur que ça fasse un creux dans l'axe. L'axe milieu offensif, bon après il fera peut-être le taf pour revenir. Mais pourquoi pas tenter un coup comme ça, histoire qu'il combine un peu mieux avec Adoris, vu que je l'ai mis en 9,5, histoire qu'il puisse monter un peu plus, qu'il soit pas forcément sur la même ligne que Harit. Ouh, Harit qui a failli marquer d'ailleurs. Harit qui a failli marquer. Je regarde le match de l'Atalanta et du Genoa en même temps. Et le goal de l'Atalanta, il vous a fait un arrêt purée, pas comme ne l'a pas fait Arrizabalaga. Je crois que ça lui passe entre les jambes. Ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Concentrez-vous. Alors là, c'est n'importe quoi. Regardez. Zivkovic, il part. Alors, San José, il est loin. Oh là là, Arrizabalaga, la boulette. Il est mauvais. Comme dirait Mohamed Henni, t'es nul. Attention, Lamberts. Oh là là, on est dominé, on est dominé, on voit pas le jour! On voit pas le jour, c'est pas bon ça! C'est pas bon! C'est pas bon du tout! Oh là 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 là, en plus ils mettent que des frappes qui passent pas loin de la lucarne! C'est pas bon du tout!
Aduriz qui arrive pas à prendre la balle. Raúl Garcia. Oh, la frappe de merde. Souzaeta, c'est dommage, j'ai fait un bon match, mais ouais, bon, je vais sortir Mounian. Hop, Raúl Garcia qui fait un mauvais match, je vais faire rentrer Boyard, on va faire un passé en 4-4-2-2 Gourou. C'est ma seconde tactique. C'est le 4-4-2 de Gourou. En fin de match, quand ça va pas, il est parfait son 4-4-2. Il est très très bon. Penalty! Penalty! Ouah, j'étais tendu, c'est pour ça que je parlais pas au moment où il a tiré le coup franc. Mikkel San Rossé pour tirer le penalty. Allez, Mikkel. Allez, mon gars. Droit du goal. Oh là là. J'ai dit à droite du goal, il l'a mis à droite du goal, mais c'est passé. C'était tendu le goal, il la touche. Oh. Ouais. Ouais, on s'en sort bien. Pour le moment, on s'en sort bien, mais c'est pas fini. Après, je pourrais mettre la tactique de gros tout le temps, mais c'est pas mon but, j'ai envie de me faire ma tactique. Oh, la claquette d'Arrizabalaga. J'ai envie de me faire ma technique. Et puis c'est pour ça. Tiens, but de l'Atalanta. Je vous tiens en direct live, même si c'est pas une vidéo en live. Hop, on va les encourager. Est-ce qu'on peut refaire un changement? Oui, on va faire un petit changement. Benyat qui sort, qui était un peu fatigué. On fait rentrer Ander et tout aspect. Voilà, sorti la balle, Mikel Rico. Alors il a encore des cheveux. Son joueur a encore des cheveux. C'est étrange. Lui, ça fait un bon bout de temps qu'il en a pu. Richard Joseph Kovic, bien vu des Marcos qui surgit. Survit. Oh là. Qui a fait quelque chose de bien. Boya, Victor Boya. Ah, c'est dommage, il a fait le petit drip qui était pas mal. Oh là là, le but d'Andil Jali. Le but d'Andil Jali. On ne voit pas le jour dans ce match. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on voit pas du tout le jour dans ce match et ça commence à pas sentir bon. C'est pas top. Là comme ça on est dominé totalement. On voit pas le jour, on voit pas le jour. Enfin, on a le ballon mais on n'arrive pas. On a aucune occasion clairement au stand à toutes les occasions. Regardez, ils arrivent à combiner à mon avis. À mon avis. Ah, falloir mettre asymétrique. Un milieu asymétrique. Je vais peut-être passer un milieu centre en milieu def. Et je vais jouer à mon avis comme ça en asymétrique. Histoire de trouver un équilibre au milieu de terrain. Parce que là les joueurs construisent trop facilement dans le milieu de terrain. Genre faire glisser un joueur ici là comme ça. Comme Itour Aspé. Et normalement bon, il y aura un 10 là. Il n'y a pas de 10. Et ouais, faire glisser un joueur ici. À mon avis ça créera un meilleur équilibre dans le milieu de terrain. Souzaeta. Oh là là, je l'ai vu, la frappe, elle était belle, elle était pure de Barkel Souzaeta. Balenciaga. William, ça c'est n'importe quoi, il a mis un triple drop. C'était n'importe quoi ça. Alors ça, je comprendrai jamais. C'est n'importe quoi. Allez, la touche. Allez. Il reste 1 minute 20, les gars. 1 minute 40 secondes. 40 secondes. De Marcos. C'est nul. C'est nul. Duritz, Iñaki. Golazo. Quel but. Quel but d'Iñaki Williams. Est-ce que vous trouvez pas ça magnifique, les gars? La frappe, elle est sublime. Balenciaga qui centre. Rico qui met une petite balle à Doritz qui décale. Et tout en une touche. Tout en une touche. Tout en une touche et l'enroulé d'Iñaki Williams. Magnifique. Bien joué, les gars. Ah bon, on revient dans le match. On perd pas. Je suis pas content du match. Je suis pas content du tout du match. On n'était pas à la hauteur, clairement. On s'en sort avec un 3 buts à l'extérieur. C'est pas mal. J'en referais la victoire, ça c'est sûr. La tactique. À mon avis, la bonne idée, c'est de faire glisser Benyat. Comme As. Et de mettre Itour Aspé à ce poste-là. Raúl Garcia. On va le mettre un peu plus bas. Voilà, en meneur de jeu soutien. Comme ça, il va pouvoir venir aider un peu plus dans l'axe. Mikel Rico se trouve pas tout seul, du coup. On va se mettre en fluide. Avec un jeu un peu plus rapide. Mixte, bien évidemment. Liberté créative, non. Prenez la défense de vitesse, oui.
Et des centres qui vont être plutôt variés. Voilà. Consigne particulière. Ça, je l'ai pas fait, ça. Ça, je l'ai pas fait. Bon, j'ai envie de mettre le pressing sur toute la ligne. Ça, c'est un truc que je vous conseille de faire, les gars. C'est quand vous définissez le pressing, ça, votre adjoint, au lieu de que ce soit votre adjoint qui fasse un truc un peu à la n'importe quoi, pendant le briefing, un truc dans le style, parce que moi, bien évidemment, je fais jamais le briefing. Je fais ça là. Je mets pour qui je veux faire le pressing. Donc, j'ai mis tous les postes quasiment. Sauf la défense, à part les arrière latéraux défensifs, le marquage essentiel sur les buteurs, hop, sur les milieux centres, sur tout le monde, jusque là je m'arrête au milieu def. Voilà, comme ça les joueurs ils ont chacun leur joueur et c'est comme ça que ça se passe. C'est voilà. Pour moi, c'est les bases du football, les attaquants. Les défenseurs, on peut leur laisser un peu plus de liberté. De toute façon, tant qu'ils jouent derrière, ils nous font pas peur. Après, faut peut-être récupérer des ballons au bout d'un moment. Mais pour moi, c'est pas trop un souci. Eux, faut qu'ils sentent vers le centre, oui. Non, marquer de plus près, non, ils ont déjà le marquage. Centre en profondeur, oui. Alors toi, c'est le but, c'est que tu centres en profondeur. Et que toi, tu centres de la ligne de but. Ouais, exactement. Exactement, le centre tu les fais où tu veux. Toi par contre je te laisse un peu de place. Monter davantage, bah oui évidemment, monte davantage garçon. Toi, Iker Vunyan, tu peux pas centrer de la ligne de but vu que t'es un attaquant intérieur. Mais toi tu peux rester un peu plus dans l'axe et frapper. Frapper un peu plus. Tac, comme ça toi je te donne l'autorisation de monter Balenciaga. Tu montes davantage et tu restes excentré. Tu prends le couloir et tu fais des bons centres en profondeur au centre, ça c'est nickel. C'est exactement ce que je veux. Toi le milieu def. Le milieu def. Tu marques de plus près. Et tu fais moins de passes risquées parce que c'est une zone où faut pas trop prendre de risques. Hop, Carriero. Il est libre. Alors lui je vais lui laisser une totale liberté à celui qui jouera en Carriero. Et Raúl García, il va prendre les espaces. C'est ce que je lui demande. Plus un Ritz à Duritz. C'est bon, ça me paraît pas mal. Eh ben écoutez, on va aller jouer ce match retour, on va aller chercher le match retour. On va aller chercher la victoire dans le stade à San Mamés. Si on pouvait faire signer Oyarzabal sur la fin du mercato, ça me plairait. Mais ça va être compliqué. Voilà, bon. Victor Boya qui bat le record de précocité établi par Iker Muñan. Iker Muñan qui est toujours en effectif, on le rappelle, qui a 25 ans, un très très bon joueur. Qui est pour moi sous-coté. Même si Bilbao ne fait pas une belle saison cette année, alors ça c'est quelque chose de qu'on peut signaler. Bilbao ne fait pas du tout une belle saison en IRL. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur pour moi. C'est un très bon joueur. Un peu trop sous-coté à mon goût. Faire une offre. Oh, ils sont chiés pour Oyarzabal. Eh ben, on va pas aller chercher. On va leur laisser leur pépite. Je me redresse un petit peu. Parce que moi, je commence à avoir mal aux jambes. Allez, j'essaie d'enchaîner encore une vingtaine de minutes de vidéo. Et ouais, ça peut être ça. Ça peut être sympa. De toute façon, après, il y a le montage. Faut que je regarde le match jusqu'au. Hein, parce que je peux pas aller au stade ce soir. J'y suis tout le temps au stade, mais ce soir, exceptionnellement, je peux pas y aller. Comme ça, j'en profite pour faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait du bien de refaire des vidéos. Ça fait du bien. Allez, on se dépêche, on va aller au stand. Faut qu'on gagne absolument. Bon, j'ai pas envie de faire un match nul. J'ai envie vraiment de gagner pour la confiance. La Bilbao, concernant ça. Gomez. Putain, il commence à me casser les... Est-ce qu'il est vraiment fort, le petit Gomez? Sergio Gomez. Sur une très bonne... Il a pas des grosses stats. Hein. Il a pas pour autant style de ouf. C'est un peu 3 millions jetés dans le vent. Si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère aller remettre une somme de ouf sur Oyarzabal. Un jeune prodige de 20 ans. Que d'aller claquer... encore des millions comme ça. Clairement.
Putain, franchement, c'est quoi ce club? C'est quoi cette arnaque? 32 millions d'euros. Bon, alors là, au bout d'un moment, à défense décidée, de toute façon, j'irai pas au-dessus. Là, je vous jure. C'est la dernière offre. Alors, est-ce qu'ils ont pas des bonnes pépites intéressantes, elles? Eux, plutôt. Il y en a un qui est plus junior. Jorge Martinez Lazza. Bon, je m'en fiche. Équipe première. Ouais, bah là, on va pas aller chercher leur meilleur joueur parce que ça va être compliqué d'aller chercher des bons joueurs. Arrêtez l'Ustondo. Basque. Basque. Observez. Il est tout jeune. Sergio Canales. Pas basque. Il est à Santander. Et oui, parce que eux, ils n'ont pas la spécificité que nous avons avec notre équipe de Bilbao. Ils ont faut être basque. Tout simplement, faut être basque pour pouvoir jouer à Bilbao et dans ce club de la Real Sociedad, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, sauf qu'en fait, ils ont une grosse communauté de joueurs basques. Ce qui fait que ça attire forcément les nous quoi, les Bilbao. Lui ça peut être intéressant, faut qu'on regarde. Franchement, ils ont pas des joueurs qui ont l'air ouf. Ils ont pas des joueurs qui ont l'air vraiment ouf. Allez, on va observer un petit joueur, mais bon. Pour moi c'est pas ouf, on va se contenter un peu je pense de l'équipe qu'on a. De toute façon ça va être compliqué d'avoir une bonne équipe. Je fais juste un petit truc, je regarde juste un petit truc. Hop. Tant que ça charge, je fais vite fait ma petite affaire là dans mon coin. Voilà. Hop. Alors, Tenerife obtient le prêt de Bilbao. Oui, Unai Bilbao qui joue à Bilbao. C'est le nôtre. Alors, John Morcillo qu'on a prêté, le jeune avant-centre, qui est pas ouf. Hein. C'est nickel les terrains, j'ai pas besoin que ça change. Toi, t'oublies, t'as même pas ta photo. Ouais, quels sont les clubs en fait qui jouent clairement dans le pays? Alors, Henrik Saborit, je suis désolé, mais j'ai besoin de toi. Non, à mon avis, je vais avoir besoin d'un BU. Et en plus de Boga et de Kikasola, donc mon gars, tu vas rester. Boîte de réception. Est-ce que Toulouse, c'est dans le Pays Basque? Ça va être compliqué de trouver des bons joueurs à Tolosa dans le Pays Basque. Surtout quand tu vois la gueule des joueurs. Quand tu vois Yann Bodiger, t'as pas envie de le recruter, quoi. Je l'aime pas en plus. Lui, c'est vraiment le joueur que j'aime pas. Clément Michelin, est-ce que t'es basque? Non, Toulouse, je pense que c'est trop pour qu'il y ait des basques, à mon avis. Quentin Boigard. Sont pour les basques, tu reconnais leur nom, hein, et c'est des noms imprononçables. Vraiment, bah, à Ketchte, à Ritzebalaga. J'ai même un gars dans mon club à Cantenay qui a un nom à la con comme ça. C'est des basques, mais bon, ça fait le charme. Le Pays Basque. À Bordeaux. Les Girondins. C'est pas encore le Pays Basque, Bordeaux, mais ça s'y rapproche en fait du Pays Basque. Pour ça, oh, Maxime Pounje, il est pas totalement basque, lui. Il a pas une tête de basque. Hein. Mont-de-Marsan, c'est pas basque ça. Théo Pelnarlichuk, non. À mon avis, il doit pas y avoir beaucoup de basques à Bordeaux, enfin de joueurs qui sortent du centre de formation, enfin en tout cas de moins en moins. Jules Koundé, Béninois, ouais, ça se voyait. Over Mandanda, ça va être le quatrième frère Mandanda. À tous les coups, c'est ça. À tous les coups, c'est ça. C'est un quatrième frère Mandanda, lui. Ouais, je sais pas ce que représente vraiment le Pays Basque en France, mais il n'y a pas des grands clubs. C'est plutôt le rugby là-bas, de toute façon, on le sait. Donc, raison de plus pour galérer sur un mercato. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de garder un maximum de joueurs. Maintenant, j'ai vidé les joueurs qui m'étaient inutiles. Oh. Oh, ils sont pas parlé. Atlanta, ils auraient pu mettre un beau petit but. J'aime bien Atlanta, c'est une équipe qui propose un beau jeu. Un beau jeu. Ils sont sérieux.
Ils sont sérieux! Attendez, je voudrais voir un petit truc. Je suis con, moi, je suis vraiment con. Je suis trop con. J'ai mis au-dessus de la clause libératoire. Et j'ai accepté. Quand je m'y mets, je suis un phénomène. Oh là là, putain. C'est pas possible, Lucas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Bah là, c'est sûr, ils vont dire oui, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Sauf que je vais lui faire une fausse joie, Yard Basal. Ah, bah dans tous les cas, il veut pas quitter le club. Eh bah, fallait le dire plus tôt. Par contre, Ruffier, il a envie de venir. Ruffier, j'ai vu qu'il avait envie de venir. Et moi, je veux Ruffier. Je veux Ruffier, je veux Ruffier, je veux Ruffier. Ouais, moi, je veux Ruffier. Je veux Ruffier. C'est chiant à Saint-Etienne. Déjà, c'est un club de... Je vais pas trop dire ce que je pense de Saint-Etienne, sinon je vais me faire encore engueuler dans les commentaires. Mais j'aime pas Saint-Etienne. Vraiment, je vous supporte pas. Bon, à 33 ans, très dans le style, n'est pas acceptable. Vous foutez de la gueule de qui, les mecs? Vous foutez de la gueule de qui? On va faire une offre. 29 millions d'euros pour Ruffier à cet âge-là. Qui c'est qui refuse? Sérieux, sérieux. À part Saint-Etienne, à part Saint-Etienne. À part Saint-Etienne, il y a qui refuse? Et bah, ça sera pas tout de suite qu'on ramènera le baïonnet Stéphane Ruffier. En tout cas. Peut-être plus tard. Peut-être avec un peu de chance plus tard. Au mercato d'hiver. En attendant, on n'a pas de goal remplaçant. Enfin, il est en prêt. C'est ce qui m'inquiète. D'accord. D'accord, c'était qui? C'était Raphaël Tresacco. Comment il s'appelait le petit? J'ai pas eu le temps de voir vraiment. Raphaël Tresacco. Bah t'arrives pas à avoir des infos, nous on va les avoir. C'est un bon joueur. C'est tout. C'est un buteur, j'ai déjà mon petit Victor Boya, j'ai déjà mon Kike Solar en remplaçant. Ça peut le faire. Tactique. Je vais sauvegarder du coup ma tactique. Je vais la renommer 4-2-3-1. Parce que là il est un peu plus au point. Tac. Et on va faire charger 2-3. Comme ça c'est la même, ils apprennent la même. L'intensité pas trop élevée, c'est ça qui est bien. Ça fatiguera pas trop le joueur parce que faire tourner ça va être compliqué. Ouais, il rejette pour Ruffier, bah rejeter, c'est con, le joueur il veut venir. Allez, on va aller jouer ce petit match face à Ostend. Ça va être un match où on espère se qualifier. Un match à part... Oh, Gundogan qui s'est blessé 5 mois avec Manchester City. Il a vraiment pas de chance que ce soit sur FM ou dans la vraie vie, Gundogan. Il fait blessure sur blessure alors que ça aurait pu être un joueur excellent. Franchement, Ilkay Gundogan, c'était un joueur qui... Il était ouf, hein. Il était ouf comme joueur à Dortmund. Hein. Oh ouais, 4-2, c'est pas mal. Hein. C'était notre équipe B. Hein. Exprimez-vous davantage, nous aiderez à obtenir un résultat. Conservez le ballon, nous vous aiderez à obtenir un résultat. Ne vous jetez pas, je l'ai pas... Ah, à supprimer. Je vais laisser ça. Le pressing, je vais laisser parce que j'estime que c'est une bonne idée, le pressing. Ouais, bon, voilà. On va proposer un nouveau contrat à Mikel Sanjose. Qui en plus est observé, donc ça nous permet de le garder. Toi t'es con, tu demandais pas un contrat, tu partais à Paris ou à Tottenham. Allez mon garçon, bah on va te proposer un... Putain, les contrats qui calment. J'étais plus habitué à ça quand je jouais avec le SCO, avec Auxerre. Je suis plus habitué à des contrats mirobolants comme on dit. Ouais, 37 millions, hop. Ta prime, tu vas te la foutre là où je pense. On va la baisser, garçon. Voilà. Ça me paraît un peu plus raisonnable. Ça fait quand même chier de payer des contrats à ce prix-là. Je vous le dis.
Mais voilà. Hop, rappel du briefing d'avant-match. Demandez... Non, ce coup-ci, on va s'en occuper parce que c'est important. C'est important. On respect. Tac. Hop. Cibler Edgar Allier. Tac, faut qu'il relance mal. Hop. On s'exprime davantage, les gars. Faites-vous plaisir. Et on demande à l'adjoint et on termine la réunion. C'était pas un beau briefing. C'était un briefing du début. Je comprends pas vraiment à quoi ça sert, ça. Je trouve ça un peu inutile. Clairement, tu sers à rien quand tu fais ça. Tu sers à rien. Enfin, y a jamais les joueurs, jamais ils réagissent vraiment. Je trouve ça... Oh, Denis Astekin qui arbitre, j'aime pas du tout. Tiens, Mounian suivi par le PSG, Xabi Cheta suivi par Malaga. Non, c'est mort les gars, je lâche plus de joueurs, Iñaki Williams. Monaco, PSG, Bayern, Iñigo Leku et Villarreal, Boya en prêt. Validé. C'est parti. Avec Under et Touras Petit dessus. Hop, on s'étire parce que nous aussi il faut qu'on rentre dans notre match. Ok, ouais, c'est bien être guerrier de. Ça m'arrête d'être guerrier du Barça. Il a joué au Barça et c'est l'os qui a été le chercher. Alors, ça, ils ont fait une bonne offre. 5,5 millions. Alors, le meilleur, c'est Belenens. Quand ils le cherchaient libre à Villarreal B après le Barça, ils ont fait une affaire de malade. Ils l'ont pris libre, vendu 5,5 millions. Quand t'as un petit club, parce que Belenens, c'est pas un gros joueur, quand un 5,5 millions te rend comme ça. Je peux vous dire que ça fait plaisir, un peu à la Nicolas Pepe à Angers, on a été le chercher à Poitiers, bon, le SCO c'est son club formateur, il n'y a pas à chier, ça fait toujours plaisir. Allez, De Marcos, avec Raúl García, le centre directement dans la barre d'Adouris. La barre. Première minute de jeu, on tape la barre avec Aritz Adouris. Siani, Gano, Milicho, bien vu le retour de Raúl García, tout en force. Pour ça, je l'ai mis un peu plus bas sur le terrain parce qu'il va falloir qu'il compense un peu la position assez basse dans Derrick Touraspe. Attention, De Marcos qui est monté comme je lui ai demandé. Le centre de De Marcos. C'est quoi, c'est un arrêt ça? L'arrêt du goal, incroyable. L'OM qui pour le moment ont mis 4-1 en match aller à la Macas. Oui, c'est bien joué. Sani Rico, ça c'est bien joué. Markel Souzaeta. Souzaeta qui passe, qui dribble. Mounian. Oh non, Mounian. C'est con, tu décalais un peu sur la gauche, t'avais du monde, t'avais beaucoup de monde. Mounian, arrêta de Ritsuzaeta. La belle frappe. Allez. Ouh, Mounian qui a failli, qui aurait pu se blesser. Le tacle était limite dangereux. Enfin, moi je trouvais le tacle un peu limite. De Marcos, la touche, Raúl García le centre. Oh là là, c'est une belle frappe de la part de Mikel Rico quand même. Alors ça donne quoi les autres résultats, notamment avec le français Bordeaux qui gagne 1-0. Bon, Bordeaux ils sont pas de se qualifier. A priori, c'est pas comme contre Vidéoton. Pardon bordelais. Mounian. De Marcos, c'est dommage le centre, c'est dommage. C'était bien essayé. De Marcos. On joue beaucoup sur le côté droit, hein. J'ai remarqué Aritz Adouris. Oh, j'ai cru qu'il allait pas le mettre. J'ai eu peur. Bien joué Aritz. But, premier but de la saison à San Mamés en match officiel. Et bah il est pour Aritz Adouris. Notre attaquant, voilà, c'est un peu son attendre. Le Milan qui sont en train de se faire éliminer par Utrecht. Oh là 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 là, c'était peut-être ça le club qu'on aurait dû prendre. Le Milan AC. Alors, Midtjylland en fait très fort avec deux buts de Santon à la minute 7. Wow, là c'était tendu aussi, hein, notre action qu'on a eu. Ah non, il y a eu un but de Santo, ouais, il y a eu un petit bug, hein. Ouh, l'arrêt de Dutoit. Très très bel arrêt de Dutoit. Je sais plus qui c'est. Bon, pour le moment, on gagne. On peut faire mieux. On va les encourager. Muzona. Pressé. Capone. Pressé Edgarier. Milic. Oh, le tag, le bon tag de Ituraspe. C'est pour ça que je l'ai mis milieu def. On a besoin d'un joueur un peu plus bas. Pour la récupération, parce que j'ai bien vu au match aller, les joueurs ils pouvaient passer, ils s'amusaient. Et le but d'Aritz Adouris sur une super passe décisive de Markel Souzaeta. Magnifique Souzaeta la passe. Et Raúl García, voilà, un taf. Hop, Souzaeta il s'est servi de l'appel de De Marcos pour partir. Le joueur n'y s'y attendait pas du coup parce qu'il fixait. Et il est parti tout seul. Et c'est passé. Muzona.
Donc je disais au match aller face au stand, on a vu les joueurs qui arrivaient trop à se balader dans le milieu de terrain, ils combinaient trop facilement, ils arrivaient souvent à amener un défenseur parce que les milieux def n'étaient pas là pour soutenir, il y avait trop de joueurs pour la défense. Souvent tu avais Laporte et San José qui étaient amenés dans le jeu et derrière ils jouaient très bien le coup, ils envoyaient un joueur en profondeur, il envoyait, le mec qui avait le ballon, il envoyait et ça a fait filoche trois fois. Ça a fait filoche trois fois. C'est un peu pour ça que j'ai mis le milieu def pour un peu bloquer ça, cette situation et Mounian qui galère à marquer ce but. C'est dommage. Bon, je commence à prendre vraiment du plaisir sur cette partie. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Michael Rico. On essayera de. Je vais essayer de faire 3 saisons en vidéo. Ça peut être sympa. Je vous dis avec les taf, le bac cette année. Enfin, le taf pour la terminale, le bac. Je vous dis, c'est chaud pour moi de faire des vidéos, les gars. Je vous mens pas. J'aurais bien aimé en faire un masse. Après le bac, y a pas de souci, les vidéos, ça va fuser. Là, cette année, c'est une année vraiment importante pour WAM. Et c'est pour ça que, voilà, faut vraiment que je fasse, voilà. En plus, j'ai eu des petits problèmes ces temps-ci. Ce qui m'a fait que j'ai pas pu faire de vidéo pendant quasi un mois. Un mois sans vidéo, c'est dommage, surtout la sortie de FM17, de pas en profiter. Après, tant pis, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on va s'en sortir les gars, je vous en ai déjà parlé dans la partie numéro 1, même si c'est la même vidéo, faire un pas mal de live en fin d'année, notamment fin juin pendant la Coupe du Monde, etc. Après pendant la Coupe du Monde, je vous cache pas, je regarderai les matchs, mais justement, regarder les matchs en même temps que faire des lives, pourquoi pas, si ça peut nous permettre de faire des petits trucs tranquillou quoi. Enfin, de discuter du match pendant qu'on fait un live, ça peut être notamment encore mieux. Encore mieux. Après, pour ça, il faudrait que je ramène limite la télé dans ma chambre, donc ça va être compliqué. Mais on verra bien. S'il y a un Honduras-Pérou, on fera peut-être autre chose que de le regarder. Enfin, d'habitude, je ne rate pas beaucoup de matchs de la Coupe du Monde. Je vais en rater pas mal au début à cause du bug, donc après les matchs 8e de finale et tout. Peut-être les matchs, il y en a pas mal, ce sera des beaux matchs, Uzaeta, la tête, c'était bien essayé. On domine clairement le match, alors depuis qu'on a changé de compo, au stand, ils n'arrivent pas à nous rattraper. On va faire sortir Itu Raspe, on va mettre Michael Rico en milieu def. Beignat un peu plus haut, Michael Rico, ouais, ok. Beignat, on va le mettre en meneur de jeu en retrait. Faut qu'il reste derrière Beignat, en défense. Faut qu'on tienne le score. Mounian, il fait un mauvais match, donc on va faire entrer notre petit Iñaki Williams. La pépite. La nouvelle pépite, il est vraiment très très fort ce mec-là, Iñaki Williams. Un monstre les gars, un monstre, moi je vous le dis. Souzaeta. Aritzou. Aritzadouritz. Edgarier. Capone. Gano, Berrier, Milic, Gano, Berrier, Tomasevic, Milic, joli, bon ils combinent mais ils font pas grand chose, ils lancent Muzona en profondeur, un peu seul, ils centrent en retrait, Milic, oh le bel arrêt de Kepa, Arrizabalaga, ça c'est typiquement du nom basque, hein. Arrizabalaga, les noms bien longs, avec des... C'est bien basque, c'est tout, c'est bien basque. Qui est fatigué vraiment? Alors San José qui est pas très fatigué. Bon, il a un jaune, je vais le laisser. Quand même, il fait un bon match. Vraiment, si on a un qui est fatigué, il y a Souzaeta et Adoritz. Bon, allez, on va tenter Boya tout seul. Le petit Boya tout seul, en attaquant défensif. Le jeune Boya, j'ai envie de dire. Le jeune, il a 16 ans. J'ai vraiment envie de le lancer le plus tôt possible. Parce que c'est vraiment, je vous dis, ce qui m'inquiète le plus long de cette partie. C'est notre mercato. C'est des tout petits Boya. C'est on a pas forcément un grand réseau de recrutement possible. Tout va être investi dans la formation, la plupart de toute façon, ou dans le recrutement de jeunes. Mais qui va se transformer finalement à presque que de la formation, parce que quand on va recruter des jeunes, va falloir qu'on les forme derrière. Et pour ça que je voudrais au plus vite lancer quelques jeunes pour pouvoir assurer un avenir au club. Donc d'où Boya qui joue là, alors ça pourrait être Kikesola. Mais bon, c'est Kikesola, 31 ans. Il jouera en cas de blessure, à mon avis, ou on coupe. Kepa.
La relance. Oh, le contrôle de Milich, parfait. C'était joli. Même para avec des pixels, c'était joli. Pour vous dire. Bon, on a fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a maîtrisé notre sujet. On n'a pas marqué. On a eu des occasions. Mounian en a gâché pas mal. Par des Marcos. C'est là qu'il faut partir. Ouh, il y a Kim Williams qui tente une tête. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une tête dans cette position-là. Je m'attendais à s'y remettre pour Boya. Mais finalement, il a fait une tête. Et c'était vraiment piège. Enfin, un piège. Même moi, je l'ai pas vu venir comme ça. Alors, j'imagine même pas pour le goal. Boya. Oh, Muzona tout seul. Eh bah, ça sort. Eh bah, ça sort. 6 mètres pour Bilbao. Il reste 50 secondes de jeu. Hassan Mames. Rico. Souzaeta. Ouh. Petite action ou pas pour finir? Un petit centre. Même pas, on perd la balle. La porte qui est là, notre petit Aymeric Laporte. J'aimerais bien qu'il soit sélectionné rapidement en équipe de France. Même dans la vraie vie, hein, qu'il se fasse sélectionner le plus tôt possible en équipe de France. Alors, il va falloir parce que Deschamps, il commence des fois à faire des conneries. Allez, très content, on est qualifié. On passe au tour suivant, on va faire les barrages. Et on va cesser là, les gars. On va cesser là après. Allez, 100 000 euros, c'est pas mal. Arita Duritz qui a fait un très bon match, on le félicite. Tac, tac, bien joué. Hop, j'applaudis Arita Duritz. C'est un bon match de sa part, c'est mérité. C'est mérité, allez, on va tirer les barrages de la Coupe Euro. Est-ce que le Milan s'est fait vraiment éliminer? C'est ma question. Imaginez, le Milan s'est déjà fait têche de la Ligue Europa. Oh là là, par une vieille équipe en plus. Hein. Une vieille équipe. C'est pas genre ils ont tiré Lyon, Marseille, des clubs dans le style. Attends, Lyon n'y était pas. Alors le Milan AC. Milan AC, oh là là. Alors j'aimerais bien voir combien il y a eu. Oh. Il y a eu 1-1, ils ont égalisé à 64ème, ils ont gagné au péno. Ah, oh, ça devait être tendu. Eh merde, j'ai raté le tirage au sort. Oh, Hajduk Split. Le Hajduk Split. Hajduk Split. Un club croate. Bon, bah voilà, bon, en espérant qu'on gagne. Bon, bah les gars, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que Bilbao, ça vous plaît. Et si ça vous plaît, les gars, lâchez un like, abonnez-vous. Ciao, les gars.